Imagine que tu puisses avoir des résultats éclairs dans ta vie. Imagine que les deux ou trois choses que tu veuilles le plus, tu puisses les avoir obtenues dans 365 jours. Et je te parle vraiment de gros trucs là, je te parle vraiment des choses que tu veux réellement, pas de un ou deux objectifs où tu te dirais ok, quel objectif je peux avoir atteint d'ici un an et donc je vais pas viser trop difficile. Non, je te parle vraiment de choses que tu veux, de choses qui te tiennent énormément à cœur. Peut-être que tu doutes par rapport à ça, alors laisse-moi simplement t'expliquer un concept dans cette vidéo. Et je voudrais prendre un exemple pour illustrer ça. Les gens qui ne réussissent pas, quel est l'un des premiers facteurs, je dirais, qui fait que ces personnes-là ne réussissent pas? Pourquoi c'est le cas? Pourquoi ils ne réussissent pas? Ils ne réussissent pas parce que ces gens-là font exactement la même chose que tous les autres personnes autour d'eux qui eux-mêmes ne réussissent pas. Par exemple, les gens qui ont un job qui ne leur convient pas, qui ont une vie fade parce qu'ils ont un job qui ne leur convient pas et qui leur pourrit la vie parce qu'ils suivent ce fameux modèle études, boulot, retraite. Si ces gens-là ne réussissent pas, si ces gens-là ont une vie fade, si ces gens-là ont une vie qui n'a pas de sens et que tu fais comme eux, bah forcément, tu vas avoir le même résultat. Et quand vous avez des gens qui sont dans une relation de couple, la relation de couple n'est pas épanouie. Et finalement, ils vont rester dans cette relation de couple parce qu'ils ont peur qu'on les juge, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Ok, si tu divorces, c'est un échec ». Si vous faites la même chose que ces gens-là, bah vous allez avoir exactement encore une fois le même résultat, c'est-à-dire une relation de couple qui n'est pas épanouie et qui pourrit littéralement votre vie. Et ce que je vous dis ici, c'est du bon sens en fait. C'est juste du bon sens. On va prendre quelque chose de plus imagé et quelque chose qui a été une expérience dans ma vie justement et j'en reparlerai juste après. Imagine deux personnes qui font un gâteau au chocolat. T'as la personne A qui fait un gâteau au chocolat, qui suit une recette et qui fait un super bon gâteau au chocolat. Vraiment un gâteau au chocolat, tu le goûtes et ah, il est délicieux. Il est vraiment, vraiment délicieux. Et à côté, t'as la personne B qui suit une recette et qui fait un gâteau au chocolat qui est brûlé, qui est complètement raté. T'arrives même pas à le manger parce que c'est juste immangeable. Ok, la personne A, la recette A, elle suit cette recette-là. Ok, le gâteau au chocolat, il est délicieux. La personne B, elle suit la recette B, elle fait le gâteau au chocolat, il est immangeable. Et là, tu as une personne C qui arrive et cette personne C, elle va suivre la recette B. Elle va faire son gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat va être immangeable et elle va se dire « Mais je comprends pas pourquoi mon gâteau au chocolat est immangeable. » Est-ce que tu vois un petit peu ce qui se passe? Et c'est ce que font la plupart des gens qui échouent. La plupart des gens qui échouent, ils arrivent, ils suivent la recette B, ils ont un gâteau au chocolat qui est complètement brûlé et ils se demandent pourquoi. Pourquoi quand je suis une recette qui amène à l'échec, j'ai moi aussi des échecs? Pourquoi quand je suis une recette qui a emmené des dizaines de personnes à l'échec, j'arrive moi aussi à l'échec? Cette analogie du gâteau au chocolat, elle peut sembler ridicule, mais elle est extrêmement parlante parce que c'est ce qui se passe en réalité. Une recette qui ne fonctionne pas, qui donne un gâteau au chocolat qui est complètement brûlé et des dizaines et des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines, pour pas dire des milliers de personnes qui vont suivre aussi cette recette et qui vont se demander après pourquoi leur gâteau au chocolat est brûlé, pourquoi ils n'y arrivent pas. Et si tu faisais différemment? Et si tu faisais partie des gens qui, au lieu de suivre la recette B, se disaient « Ok, et si je suivais la recette A ?» Et si je suivais la recette qui fonctionne? Et si je suivais la recette de la personne qui a réussi à faire un super bon gâteau au chocolat? Qu'est-ce que tu penses qui se passerait? Est-ce que tu penses que tu n'augmenterais pas littéralement tes chances d'arriver au succès, tes chances d'avoir un bon gâteau au chocolat? Et si j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, c'est parce que pour moi, c'est vraiment très important. Peut-être que tu regardes cette vidéo et peut-être que tu vas faire partie des gens qui se disent « Mais Gabriel, vraiment, quel connard! Pourquoi il ne me donne pas des clés? Moi, ce que je veux avoir, c'est des clés, c'est des méthodologies, c'est des techniques. » Mais c'est un aspect qui est fascinant, qui est littéralement fascinant pour moi. Pourquoi des gens vont continuer encore et toujours à suivre une recette qui ne fonctionne pas, qui dès le démarrage ne fonctionne pas? Je me souviens encore, il y a pas mal d'années en arrière, je m'étais lancé à un moment donné pendant 3 mois à faire de la cuisine et je faisais des gâteaux justement. Et j'avais compris pas mal de choses et je réussissais à faire des gâteaux qui étaient assez sympas. Et donc du coup, il y avait quelqu'un qui s'était mis dans mon entourage aussi à faire des gâteaux. Et cette personne-là, systématiquement,
systématiquement, quand elle faisait un gâteau, elle brûlait son gâteau. Le gâteau était brûlé, et le fond du gâteau qui était brûlé. Et cette personne-là, ce que je lui avais dit, en tout cas moi, c'était la technique que j'utilisais, c'était le fait que quand tu cuis ton gâteau au chocolat ou peu importe le gâteau que tu cuis, à un moment donné, quand t'es pas sûr du four, quand t'es pas sûr du moment où tu dois, quand ton gâteau est cuit, parce que l'extérieur on peut le voir, mais l'intérieur on ne sait pas vraiment, parce que tu fais, c'est que tu mets légèrement une pointe de couteau dans le milieu de ton gâteau, et ça te permet de voir si à l'intérieur de ton gâteau, si ta pointe de couteau ressort et que cette pointe de couteau elle n'est pas mouillée, elle est sèche, ça veut dire que ton gâteau est cuit. Et je lui ai dit de faire ça, je lui ai dit plusieurs fois de faire ça et que c'était la solution, c'était moi la technique que j'utilisais parce que aussi j'ai débuté en cuisine et que j'en savais pas plus qu'elle. Et cette personne ne l'a jamais fait. Cette personne a continué indéfiniment à brûler ses gâteaux au chocolat jusqu'au moment où elle a fini par arrêter de cuisiner parce que elle disait je brûle toujours mes gâteaux au chocolat, mais sans jamais utiliser cette technique-là qui lui aurait permis d'arrêter de brûler ses gâteaux au chocolat. Pourquoi c'est un mystère? Objectivement, c'est des choses comme ça qui sont mystérieuses dans le cerveau humain. Mais au final, ce qui compte, c'est pas tellement de comprendre pourquoi telle ou telle personne ne le fait ou ne le fait pas. Ce qui compte est ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et ce que vous pouvez faire à l'échelle individuelle, c'est se dire « Ok, et si je commençais à utiliser des recettes qui fonctionnent ?» Si je commençais à utiliser une recette qui a fait ses preuves. Et rien que ça, ça peut vous amener beaucoup, beaucoup de succès dans votre vie. Je vous ai préparé une formation qui justement parle de ça. Ça s'appelle Changement Express. Cette formation, il y a 4 modules. Dans le premier module, notamment, c'est un module atomique en fait. Atomique parce que en une journée, j'ai pris le challenge de vous donner en une journée l'essentiel de la philosophie du succès, l'essentiel de la recette du succès. Cette formation Changement Express, elle va irradier tous les domaines de votre vie. On va parler de philosophie du succès, on va parler de relations, de sortir des relations toxiques, de sortir de la dépendance affective. On va parler de comment créer des relations saines, on va parler de comment créer son propre job, on va parler de comment sortir du métro boulot dodo, de comment créer son indépendance financière. Donc c'est une formation sur la philosophie de la vie sur mesure et comment l'intégrer dans sa vie. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales actuellement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.